Chers amis téléspectateurs de Cateo, bonjour. Nous sommes ce matin à la cathédrale Saint-Rombaud à Malines. Malines-Mechelen, à une vingtaine de kilomètres de Bruxelles, où nous allons participer ensemble à la célébration des funérailles de Mgr Léon Lemens, évêque auxiliaire. Et décédé il y a quelques jours, il était un homme particulièrement aimé dans cette ville. Il est évidemment évêque auxiliaire du cardinal Joseph de Kesel et il avait comme spécialisation, si on peut dire, le dialogue interreligieux, la proximité des pauvres. Il était aussi membre de la communauté Sant'Egidio. Le corps de Mgr Lemens va arriver dans quelques instants à la cathédrale de Malines. Il se trouvait au centre pastoral où des centaines de personnes sont venues s'incliner devant la dépouille. Et aujourd'hui, dans cette cathédrale Saint-Rombaud, qui est un monument magnifique au cœur de cette ville, peut-être un mot sur Saint-Rombaud. Saint-Rombaud est originaire de Dublin et c'est lui qui fonda à Malines une abbaye en 834. Et c'est en 13e siècle que la cathédrale a commencé progressivement à être construite comme une véritable cathédrale. Pour le moment, le clergé est réuni à l'entrée de la cathédrale et nous attendons l'arrivée du corps qui sera escorté évidemment par le cardinal de Kesel et par différents évêques venant de l'étranger aussi, qui ont souhaité être présents aujourd'hui à cette célébration. Et voilà l'entrée de la procession, précédée de la croix et des acolytes. Les prêtres et évêques vont faire leur entrée dans la cathédrale. C'est le cardinal de Kesel qui présidera à cette cérémonie. Il sera entouré de différents évêques de la communauté Sant'Egidio, en particulier l'évêque de Liège, Mgr Jean-Pierre Delville, et aussi de Mgr Paglia, qui vient spécialement de Rome pour participer à cette célébration. Commençons à voir les délégations œcuméniques qui sont présentes pour cette cérémonie. Il est important de repérer maintenant les évêques de Belgique qui sont présents. Tous les évêques sont annoncés présents, c'est normal, la famille épiscopale. Et voici le cercueil tout simple que Mgr Lemens a lui-même souhaité, un cercueil simple sur lequel sera posé dans quelques instants l'évangéliaire. Un moment d'émotion dans cette cathédrale où les neveux et des jeunes de la communauté Sant'Egidio portent ensemble le cercueil à l'épaule. Le cardinal de Kesel va ouvrir la célébration dans quelques instants et puis le nonce apostolique, Mgr Kazuja, récemment nommé en Belgique, dira aussi un mot de condoléance et un message de la part du Saint-Père.
particularité des funérailles d'un prêtre et a fortiori d'un évêque, c'est l'évêque qui regarde l'assemblée telle que le cercueil est déposé. Il continue ainsi à inviter, d'une certaine façon, à célébrer et à bénir. Monseigneur Lemens était très proche de la communauté musulmane aussi de Malines, et une grande délégation musulmane est d'ailleurs présente à cette célébration, de même que vous voyez à gauche une délégation orthodoxe représentant de l'archevêque Athénagoras et de l'évêque russe de Bruxelles. Le cardinal de Kesel se rend maintenant à son siège pour ouvrir la célébration. Et on voit à droite la délégation musulmane, de l'exécutif musulman de Belgique, et aussi des représentants des mosquées de Malines. In de naam van de Vader en de Zoon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Genade en vrede voor u allen. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. La paix soit de Vader vol ontferming. En de God van alle vertroosting. Hij troost ons in al onze tegenspoed. C'est lui zodat qui vient in staat zijn véritablement nous consoler dans tous nos besoins. Vrienden. Chers amis, c'est avec tristesse que nous sommes réunis ici, dans cette cathédrale. Nous sommes tristes parce que nous avons perdu notre confrère très cher. Nous l'avons perdu beaucoup trop tôt. Triste aussi parce que nous sommes très reconnaissants, mais aussi pour tout ce qu'il a signifié. Oui. Il est décédé dans une grande foi et une grande confiance. Et c'est avec cette foi que nous voulons le confier au Seigneur, à celui qui est source de toute vie. Je souhaite la bienvenue à son Excellence, Monsieur Kasuja, le nonce apostolique ici dans notre pays. Ik verwelkom ook u allereerst ook, bienvenue aussi, broers en zusters en de famille van Monseigneur Lemens. Ik groet kardinaal Daniels hier aanwezig en ook salue aussi le cardinal Daniels ici présent et les autres évêques. En ook alle die uit het buitenland gekomen zijn. Benvenuto cordiale alla sua eccellenza, Monsieur Paglia. Bienvenue cordial à Monseigneur Paglia. Et à l'évêque de Bologne et de Frisone. Et les autres évêques qui sont venus du Congo. Un cordiale benvenuto al professore Andrea Riccardi. Bienvenue aussi au professeur Riccardi, Madame Kibon et à tous les membres de la communauté de Sant'Egidio dont il était membre. Je salue aussi de tout cœur l'évêque de l'Église syriaque orthodoxe. Ik verwelkom ook de vertegenwoordigers van de aartsbisschop métropolite van de orthodoxe kerk. Les représentants de des églises œcuméniques réunis ici. Ook de heer Philippe Markiewicz, van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België en de Joodse Gemeenschap. Du Consistoire Israélite de Bruxelles. En ook Salah Essaloui en Mohamed Asabi van de Moslim Executive. Et représentant de l'exécutif musulman de Belgique. Ik verwelkom de burgerlijke overheid. Hier de burgemeester Bart Somers. Je salue le bourgmestre, de stad. Les échevins. Ik ben dankbaar voor uw aanwezigheid. Het is een teken. Van uw waardering. Je vous suis reconnaissant pour votre présence. C'est le signe de votre reconnaissance pour ce que Monseigneur Lemens a fait. Je souhaite aussi la bienvenue au procureur fédéral Frédéric Valleux. Mon voorganger kan hier vandaag niet aanwezig zijn. Le ministre, vice-ministre des Affaires étrangères. Monsieur Léonard heeft mij geschreven
Je remercie aussi Mgr Léonard qui n'a pas pu être présent, mais qui m'a écrit pour me dire la bonne collaboration qu'il a vécue avec lui. Et le secrétaire d'État, le cardinal, ensemble unis dans la même prière, nous a envoyé un message de la part de sa sainteté, le pape François. Et je demande maintenant à Mgr Kasuja de nous lire le texte. Le télégramme date de 2 juin, la date même quand l'évêque Clemens est mort. À Monseigneur le cardinal Joseph Kaiser, archevêque de Marine Bruxelles, apprenant avec tristesse le rappel à Dieu de Monseigneur Léon Clemens, évêque auxiliaire de Marine Bruxelles, Sa Sainteté, le pape François, tient à vous exprimer sa profonde sympathie, ainsi qu'aux proches du défunt et à la communauté diocésaine. Avec ferveur, il demande à Dieu d'accueillir dans sa paix et sa lumière ce pasteur qui a pris courageusement et jusqu'au bout sa part dans la mission au service du peuple de Dieu. Le Saint-Père prie le Seigneur de lui donner la récompense promise aux intendants fidèles et dévoués de ses mystères. En gage de réconfort, sa sainteté vous envoie de grand cœur ainsi qu'à vos auxiliaires, à la famille des défunts, aux personnes qui participent à la liturgie des obsèques et à tous les diocèses, la bénédiction apostolique. Signé par le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État de Sa Sainteté. Brothers and sisters, beleiden wij nu onze zonde, bekeren wij ons tot God. Rentrer dans la liturgie, préparation pénitentielle. Ik beleid voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Suis maintenant la prière, le chant du Kyrie. Des mosquées de Malines et de l'exécutif musulman de Belgique.
Laat ons bidden. God, gij zijt barmhartig. Père très bon, tu es miséricordieux et chaque fois, tu nous pardonnes, tu accordes ta miséricorde. Nous te prions avec insistance pour ton serviteur, Léon, que tu as appelé à toi. Il a cru en toi, il a mis en toi son espérance. Tends-lui la main, accueille-le dans la maison du Père et accueille-le dans la joie à laquelle il n'y aura pas de fin par le Christ, Jésus notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. La première lecture sera tirée du livre d'Isaïe. Uit de profeet Jesaja. In die dagen zal de Heer der Le jour où viendra le Seigneur, Dieu de l'univers, préparera pour tous les peuples un festin sur sa montagne. Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples et le linceul qui couvrait toutes les nations. Over alle naties. De Heer zal détruira la mort pour toujours. Hij zal de tranen le Seigneur essuiera les larmes de tous les visages. En de schande et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Want zo heeft de Heer C'est lui qui l'a promis. Op die dag zal men zeggen, et ce jour-là, on dira, voici notre Dieu, en lui nous espérions, Hij heeft ons gered. Et il nous a sauvés. Dit is de Heer, C'est lui le Seigneur, ons vertrouwen hadden gesteld. En lui nous espérions. Laat ons jubelen, exultons, ons réjouissons-nous, in de redding il nous die a sauvés. Ons heeft gebracht. Zo spreekt de Heer. Suis maintenant le chant du psaume 27 qui va être chanté par la chorale de Sant'Egidio.
Rebecca. Grossit un peu. Monsieur Lorraine de l'église évangélique est arrivé aussi, ainsi que le chanoine anglican. Et ainsi, toutes les religions chrétiennes sont présentes dans la délégation œcuménique. Nationaux et internationaux de la communauté Sant'Egidio dont faisait partie Monseigneur Lemens, à droite de l'écran Jan de Volder. Dans l'église se trouve aussi le père Simon de Cloux, jésuite, qui a contribué à la fondation de la communauté Sant'Egidio à Rome. Viens maintenant la lecture de l'Évangile, tiré de l'Évangile de saint Matthieu. A été très proche de la communauté orientale, en particulier à Rome, où il était recteur du collège roumain. Et on entendra donc plusieurs fois des consonances byzantines. Onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd ging Jezus rond door alle steden en dorpen. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leur synagogue. Proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Mogen door de woorden van dit heilige evangelie al onze zonden worden vergeven. Oh,
se trouvent donc Mgr Palia et Mgr le nonce apostolique Azuja. Et le cardinal de Kézel va maintenant prononcer l'homélie. Elle sera dite en néerlandais, nous la traduirons. Geliefde vrienden. Chers amis, nous venons d'entendre la première lecture, la grande prophétie d'Isaïe. Une vision de paix. Comme à la fin des temps, tout sera accompli. Un grand festin qui sera offert par Dieu lui-même sur le mont de Sion. Et pas uniquement pour son peuple, mais pour tous les peuples. Un repas, un festin dont personne ne sera exclu. Un repas avec des mets exquis. C'est l'image d'une humanité parfaitement réconciliée, parfaitement guérie, où l'on partage la même table comme une famille, comme frères et sœurs, d'où la haine, la violence et la terreur auront disparu. Là, les larmes seront effacées. Et la mort ne sera plus. Une vision d'espérance qui existe déjà dans le cœur de l'homme, déjà depuis l'existence de l'homme. C'est la paix dont s'émoigne l'Écriture. C'est l'espérance qui est inscrite, l'espérance inscrite dans le cœur de chaque homme. Want ook vrienden in het evangelie is dikwijls sprake. Dans l'évangile, il est souvent question aussi de repas. Meer dan eens in de evangelieën horen we. Plusieurs fois nous entendons que Jésus est hôte, qu'il prend, qu'il partage un repas. Et pas uniquement avec ses disciples, mais précisément aussi avec des personnes avec lesquelles ou chez lesquelles on ne l'attend pas, chez les autres. Pour ceux qui, à première vue, ne devraient pas être là, peut-être. Et l'Évangile précise même que parfois, il est parlé de lui, il est dit de lui des paroles de mépris. Comment peut-il partager ce repas avec des pécheurs? Comment peut-il être avec eux? Pour Jésus, ces repas faisaient précisément partie de l'essentiel de son message. Être à table, partager avec d'autres. Il annonçait la proximité du royaume de Dieu avec comme seule loi la loi de l'amour et de la miséricorde. Un amour aussi étendu, aussi large que l'amour de Dieu lui-même. Un amour qui va jusqu'au bout et qui ne veut pas regarder vers un rival, vers un ennemi. Il faut absolument aller plus loin. Si tu ne salues que ton frère, que fais-tu d'exceptionnel? Frère, c'est l'évangile que notre confrère Léon a annoncé. L'évangile, ce n'était pas uniquement un savoir, une théorie, mais une parole de vie. Il a lui-même demandé qu'il soit enterré dans un cercueil simple et que sur le cercueil ne se trouve que la Sainte Écriture, ouvert à la page de l'Évangile que nous venons d'entendre. C'est l'Évangile qu'il avait lui-même choisi pour le jour de son ordination sacerdotale.
over Jezus die ce tekst de Jésus qui est décrit comme celui qui va de village en village et qui annonce la proximité de Dieu. Un message d'amour et de joie, un message de pardon et de guérison, avec un grand cœur pour tout homme. D'autant plus que certains se sentent abandonnés comme des brebis sans berger. Heeft onze medebroeder, Monsieur Lemmens, oui, Monseigneur Lemmens, a travaillé dans ce sens-là pendant toute sa vie, avec un engagement, avec une conviction. Personne n'était ignoré. Was de ontmoeting met de andere mens wezenlijk. Pour lui aussi, l'essentiel était la rencontre avec l'autre, essentiel, l'annonce de l'Évangile. Of wat heeft godsdienst te betekenen als ze me onderscheidt? Qu'est-ce que Dieu peut signifier, que veut dire une religion si cela m'écarte ou si cela me rend indifférent à mes contemporains? Al van in zijn studententijd te Rome. Si la religion peut créer des divisions. Non, il a toujours senti cela, même quand il était déjà à Rome, quand il était jeune prêtre à Sant'Egidio. C'est là qu'il a trouvé la source de l'Évangile, la force de l'Évangile et l'amitié avec les pauvres avec lesquels il était profondément lié. Als arbeider in de oogst van zijn Heer, die hem daartoe geroepen had. Il aimait beaucoup l'Église. Il aspirait à sa rénovation, à son ressourcement. Non pas une institution puissante, mais il souhaitait une Église qui s'enracinait, qui était un peu comme une première communauté, les premières communautés de Jérusalem. Une Église qui a des racines, une Église qui prie, qui retrouve sa source aussi dans la liturgie. Une église qui s'appuie sur la solidarité avec les autres églises sœurs. Pas une église qui se replie sur elle-même ou qui tourne le dos au monde ou qui n'aurait plus de signification au niveau de la société, au niveau social. Une église qui est profondément respectueuse et qui entre en dialogue. Il a travaillé dans ce sens dans notre église de Flandre. Et c'était un dialogue d'amitié, une amitié sincère avec les Juifs, avec les musulmans, avec toutes les personnes de toute conviction. Il a toujours cherché en tout homme l'amitié et le dialogue et reconnaître qu'il était quelqu'un pour lui, pour dialoguer vraiment, en vérité. Il a voulu vivre cet esprit des béatitudes, être assoiffé de justice, de paix. Ils seront des instruments de paix. C'est une grande tristesse pour nous de voir notre confrère Léon partir si jeune. D'abord, une grande tristesse pour sa famille, pour le vicariat du Brabant flamand et aussi pour la communauté de Sant'Egidio, pour tous les collaborateurs qui ont pu travailler avec lui. Pour moi aussi, et pour notre archevêché et pour l'Église dans notre pays. Pendant plus de 7 mois, il a supporté la maladie avec un courage exceptionnel. Il a mis beaucoup de foi, beaucoup de confiance. Il a vécu une grande paix intérieure. À chaque fois que je le visitais, j'étais comme silencieux. C'est lui qui m'a donné la force dans la paix. Finalement, il est encore décédé d'une manière inopinée, juste avant la Pentecôte, juste au moment où toute l'Église prie pour la venue de l'Esprit Consolateur, lui qui donne
wie, lui qui est wie. Dat we altijd zeggen in het credo, die Heer is en het leven geeft. En in de dagen voor Pinksteren leest de kerk in haar liturgie... Dans les jours qui précèdent la Pentecôte, l'Église lit le testament spirituel de Jésus. Jésus prie pour ses disciples. Il prie pour l'unité. Il prie pour les disciples qui viendront à lui. Et bid voor de eenheid. En nog de dag voor zijn afsterven moet ook la veille de son décès, Léon a dû entendre pour que nous soyons un. Zoals wij één zijn, ik in hen, moi en en lui, gij in et lui, lui en moi. En dan voegt Jezus il a dû entendre cela. Dat zij, die gij mij hebt gegeven, nu met mij mogen zijn, et Jésus, waar ik ben. D'ajouter qu'il soit dat is avec moi. Ons aller gebed. Nu wij hem ten grave dragen. C'est notre prière aujourd'hui, au moment où nous le portons en terre. Dat geen oog heeft gezien. Et nous le vivons dans la foi. Nous vivons ce qu'aucun œil a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu. Dieu l'a préparé pour tous ceux qu'il aime. Ce sont des paroles vraies et pleines d'émotion que le cardinal Danels, pardon, le cardinal de Kesel vient de partager avec l'Assemblée. Ces paroles qui illustraient si bien la vérité de la rencontre, la vérité du travail apostolique de Mgr Clemens. Le cardinal de Kesel va maintenant introduire la prière des intentions, la prière universelle. Bidden wij nu tot de Heer Jezus, die de verrijzenis is en het leven. Wie in hem gelooft, zal leven. Il y aura 8 intentions de prière. Seigneur, prends pitié dans un air byzantin. Heer, wij danken u. Voor het rijk gevulde leven van Mgr Léon Clemens. Seigneur, nous te remercions. Die een priester en bisschop was naar uw hart. Pour la vie si remplie de Mgr Clemens. Qui était un traître et un évêque selon ton cœur. Il a été une figure de père. Nous te remercions, Père. Parce que sa vie et sa mort ont été un fort témoignage. Nous te prions. Prends-le dans ton amour. C'était Jan de Volder, un des responsables de Sant'Egidio, en Belgique. Mgr Clemens, maintenant le frère. Seigneur, nous te prions maintenant pour la famille Clemens, pour nos parents qui nous ont donné la vie. Pour tous les frères et sœurs de leur famille. Nous, remercions, Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour tous ceux qui ont entouré Léon, de ton amour, pour ceux qui l'ont entouré de bons soins, pour la communauté Sant'Egidio. Nous te prions pour que tous ceux qui ont aimé Léon trouvent près de vous consolation, force et paix. Seigneur, nous te prions. Paul Van Betz, maintenant le responsable du dialogue interreligieux ici à Malines. Seigneur, nous te prions pour le vicariat, pour l'archevêché, pour l'église qui est à Malines, pour l'église de notre pays, qu'il y ait des communautés vivantes et paisibles où nous pourrons découvrir la force de ton amour, une parole d'amour, une parole de vie. Une liturgie qui montre ainsi la proximité des pauvres et la fraternité, Seigneur, nous te prions.
Alberto Quattrucci, de la communauté Sant'Egidio. Nous te prions pour le pape François et l'Église. Que Monseigneur Léon a aimé et servi de toutes ses forces. Nous te prions aussi pour l'Église chrétienne en Orient, pour les catholiques, les orthodoxes et les protestants, pour qu'ils poursuivent toujours la voie de la réconciliation et pour qu'ils trouvent l'unité. Nous te prions en particulier pour les chrétiens qui subissent la persécution à cause de ton nom. Seigneur, prends pitié. Et la Bruce en allemand, nous te prions pour l'Europe et pour notre continent pour qu'il trouve l'unité et la paix et la vie. Que les jeunes en Europe puissent se rencontrer dans une culture du vivre ensemble à construire toujours, pour que les jeunes soient un signe de paix et de réconciliation. Seigneur, prends pitié. Valérie Régnier de Sant'Egidio. Seigneur, nous te prions pour la paix dans le monde, en particulier au Moyen-Orient et en Afrique, pour la réconciliation des peuples et pour le dialogue, si cher à l'évêque Léon, entre chrétiens, juifs et musulmans et les grandes religions du monde. Bénis, Seigneur, les artisans de paix. Prends pitié, Seigneur. Heer, wij bidden u voor alle armen en kinderen. Diacre Louis Apers. Grote aandacht uitging. Voor vereenzaamde pour les pauvres, les enfants. Tous ceux auxquels Monseigneur Lemens a consacré beaucoup de temps et d'attention. Pour les prisonniers. Pour les personnes âgées, seules. Pour la maison d'accueil Camiano. Pour les enfants de Bukavu. Pour toutes les initiatives qu'il a soutenues comme évêque, Seigneur, nous te prions. Oh Lord, we pray you for the young generations. Seigneur, nous te prions pour les jeunes générations. Qu'elles te découvrent dans une parole d'amour et de compassion, que la parole de Dieu puisse toucher le cœur de beaucoup de personnes. Et nous te prions pour des vocations et pour le témoignage à ta parole, Seigneur, nous te prions. God onze Vader, alles wat ons dierbaar is, hebben wij in uw handen gelegd. Seigneur, notre Dieu, nous te confions tout ce qui nous est cher. Donne-nous, exauce-nous dans ce que nous te demandons en confiance et montre-nous qu'il est possible d'espérer jusqu'au-delà de la mort parce que vous êtes un Dieu d'amour. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Va se dérouler maintenant un rite qui n'est peut-être pas tellement connu des téléspectateurs de France. Il est assez courant en Belgique. Nous allons voir une procession d'offrandes qui va être faite dans toute l'église. C'est ainsi que le cardinal de Kesel et Monseigneur Paglia vont tenir l'un et l'autre une croix au pied de l'autel et inviter toutes les personnes chrétiennes en particulier, à venir vénérer la croix. Les personnes qui ne sont pas chrétiennes peuvent aussi venir et saluer simplement le cercueil. C'est une manière d'associer toute l'assemblée à cette démarche. C'est aussi une manière religieuse et œcuménique et d'une certaine façon,
On voit que le cardinal de Kézel et Mgr Paglia tiennent en main une croix byzantine, une croix orthodoxe. On pourra voir si les personnes juives et musulmanes souhaitent faire cette démarche qui est évidemment parfaitement libre. Pour le moment, ce sont les membres de la famille de Mgr Lemens et les membres de la communauté Sant'Egidio qui font la démarche de la procession des Frandes Andrea Riccardi. C'est la coutume aussi que c'est à ce moment-là que l'on remet une croix, une image, souvenir de la célébration. Défilé d'hommage, défilé respectueux de communion. Un moment pour revenir sur l'homélie qu'a prononcée le cardinal de Kézel. Il a vraiment décrit avec grande simplicité et vérité qui était Mgr Lemens. Bien sûr, il était évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles, et en particulier pour le vicariat du Brabant flamand et la ville de Malines. Mais au niveau de la conférence épiscopale, il a eu tant de responsabilités, et déjà à l'époque où il était prêtre, il a eu énormément de responsabilités, et il les a toujours vécues dans le même esprit. Et pendant la partie de sa formation qu'il a vécue à Rome, il a connu cette communauté Sant'Egidio, auprès de laquelle il a découvert un esprit neuf, un esprit de proximité des pauvres et un esprit de prière. Un esprit d'une communauté ouverte, en dehors de laquelle il n'y a pas de différence, il y a à accueillir tout le monde. Il y a une ouverture à vivre, à vérifier. Il y a, comme dirait le pape François, à aller aux périphéries. Ce n'était pas pour rien que, déjà lors de cette période de formation, il y avait des visites faites par les jeunes de Sant'Egidio dans les quartiers périphériques de Rome pour être proches et pour prier. Ensemble, ils revenaient ensuite à l'église, dans le Trastevere, à Rome, pour vivre un temps de prière, de ressourcement. Cet esprit d'ouverture et de proximité, confirmé dans le dialogue œcuménique et dans le dialogue interreligieux, il l'a vraiment vécu. Et c'est pour cela que la délégation œcuménique, protestante, anglicane, orthodoxe russe, orthodoxe grecque, est tellement présente dans le fond de l'image à gauche. C'est vrai qu'ils sont les témoins de cette volonté de Mgr Lemens, qui, il y a 2 ans, avait accompagné Mgr de Kézel et Mgr Arpigny, l'évêque de Tournai, en Irak, à Erbil, dans une présence de solidarité.
tous dans un même esprit de communion, les collaborateurs de l'archevêché, les citoyens de la ville de Malines, ceux qui viennent des instances européennes, qui ont connu le travail de Mgr Lemens, les membres de la communauté Saint-Égidio, bien sûr, aussi un quart est venu de la ville de Hasselt, où il a été vicaire épiscopal pendant plusieurs années avant de devenir évêque auxiliaire à Malines-Bruxelles. Cette démarche de l'offrande est très coutumière en Belgique. C'est une démarche très simple, mais qui dit simplement, de manière unifiée, le respect pour un défunt. Et chacun trouve le geste qui convient pour exprimer son respect, son merci. Devant nous, Mgr Palia, un des responsables de la communauté Sant'Egidio. Les responsables de Sant'Egidio International, Andrea Riccardi et Hilde Kibom et Jan de Volder. Ils sont vraiment comme la famille de Mgr Lemens. Il est peut-être intéressant de noter que l'archevêché de Malines-Bruxelles comprend donc deux cathédrales. La cathédrale des Saints Michel et Gudule qui se trouve à Bruxelles et qui est peut-être plus connue internationalement parce que c'est l'église cathédrale qui est à Bruxelles. Mais Malines est néanmoins le centre, même s'il est un peu excentré, de l'archevêché au niveau historique et particularité peut-être, c'est qu'il y a aussi une ramification avec la province d'Anvers. La Belgique est un pays un peu compliqué au niveau linguistique.
Mais il n'empêche que, aujourd'hui, l'évêque auxiliaire du Brabant flamand, décédé, est enterré dans la cathédrale de Malines, la cathédrale de l'archevêché aussi. À l'arrière à gauche, Monseigneur Hugo Martens, l'évêque de Hasselt, d'où provient Monseigneur Lemens. Monseigneur Kasuja, le nom apostolique, et Monseigneur Palia préside maintenant l'offrande, l'évêque de Tournai, Monseigneur Arpigny à gauche, et Monseigneur Bonny, l'évêque d'Anvers à droite. C'est à Anvers que se trouve le centre le plus important de Sant'Egidio en Belgique maintenant. Il y a aussi un centre à Liège et à Bruxelles. Mais c'est un peu à Anvers que tout a commencé, en Belgique. L'évêque Arpigny et l'évêque Bonny sont les deux vice-présidents de la conférence épiscopale et ils sont tous deux chargés du dialogue œcuménique. Ils sont ce qu'on appelle les évêques référendaires pour l'œcuménisme. Délégation œcuménique avec les protestants anglicans orthodoxes. Les évêques invités, l'ancien évêque d'Anvers, avec aussi le clergé du Brabant flamand qui est installé derrière lui. La cathédrale dans laquelle nous célébrons les funérailles de Monseigneur Lemens, évêque auxiliaire du Brabant flamand et évêque auxiliaire du cardinal de Kesel, est une des plus grandioses, en fait, de ce qu'on appelle le gothique, le style gothique brabançon. Et savoir que nous nous trouvons à quelques mètres de la place du marché, savoir que la ville continue à vivre, c'est aussi une manière de situer la célébration. D'ailleurs, on voit régulièrement des personnes qui entrent un instant dans la cathédrale pour participer à la liturgie. Nous sommes samedi, c'est jour de marché, et la vie continue dans la ville de Malines. Mais beaucoup de monde dans cette cathédrale où tout le monde a tenu à être présent pour rendre hommage et pour prier pour lui, pour prier pour Monseigneur Lemens.
On aura aussi remarqué cette particularité, c'est que l'on n'a pas mis de mitre sur le cercueil de Mgr Lemens. Il l'a souhaité explicitement. Il a demandé un cercueil simple et que sur son cercueil soit simplement déposé l'évangéliaire. L'évangile, ouvert à la page de cet extrait de l'évangile de son ordination. On se souvient que pour les derniers enterrements de pape aussi, c'était l'évangile qui était déposé sur le cercueil sur la place Saint-Pierre en toute simplicité. Pas déposé non plus de vêtements sacerdotal, d'aube ni d'étole, mais simplement le signe de l'évangile, comme on peut le voir sur cette image. Le dialogue œcuménique et le dialogue interreligieux est très actif en Belgique. En particulier au niveau flamand, différentes instances existent. Mais aussi au niveau national, fédéral, différentes instances existent. Et récemment encore, le Premier ministre a reçu tous les chefs de culte et donc aussi, non seulement bien sûr les chrétiens, les juifs et les musulmans, mais aussi les autres convictions philosophiques, comme on dit, de la morale laïque. Et il est particulièrement important que dans une cérémonie comme celle-ci se trouvent présents des personnes de toute religion. Et la présence dans le cœur de l'autel des chrétiens et devant l'autel des non-chrétiens montre bien qu'on est en réalité très très proche. Dans quelques jours aura lieu une cérémonie à la grande synagogue de Bruxelles en l'honneur du président du Parlement européen. Et donc, à chaque fois que on le peut en Belgique, les responsables se retrouvent. Il y a eu bien sûr des moments importants. Voilà des personnes de la communauté chaldéenne de Malines qui sont là, qui, bien sûr, vénère la croix. Ce dialogue a été officialisé au niveau œcuménique et interreligieux, interconvictionnel, comme on le dit parfois. Et c'est vraiment notre pari, un peu comme le pari du pape, le pari du dialogue, coûte que coûte, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les entraves, quels que soient les signes de violence, oser croire dans le dialogue, dans l'amour, dans la rencontre. Mgr Lemens était vraiment un homme de ce dialogue. Il avait été désigné il y a peu de temps d'ailleurs par la conférence épiscopale pour être le relais, le référendaire comme on l'appelle. Mais malheureusement, cette dernière mission, il n'a pas pu tellement l'accomplir réellement, si ce n'est en la vivant pendant sa période de maladie.
Monseigneur de Quesel a précisé tout à l'heure à quel point il avait vécu sa maladie avec grande confiance, grande sérénité, de manière extrêmement courageuse. Je rappelle aux téléspectateurs qui prendraient notre reportage en cours que nous sommes en direct depuis la cathédrale de Malines-Mechelen en Belgique, où se célèbrent les funérailles de Monseigneur Léon Lemmens, âgé de 63 ans, décédé il y a quelques jours. Il était un homme aimé, spécialisé dans le dialogue œcuménique et interreligieux, proche des pauvres. Il était membre de la communauté Sant'Egidio. Maintenant, c'est toute la cathédrale et l'église de Belgique qui lui rend hommage. Nous prions pour lui en présence des évêques de Belgique, du nonce apostolique Kasuja, d'évêques des Pays-Bas, l'évêque de Breda, l'évêque africain, en présence d'une délégation œcuménique. Un moment pour découvrir les chapelles latérales de cette cathédrale gothique. On trouve aussi dans cette cathédrale la tombe du cardinal Mercier. Cardinal Mercier, tellement connu par le dialogue œcuménique, en particulier avec le monde anglican, célèbre par les conversations de Malines. Et le cardinal Mercier est venu ici. Il était ici. Et le pape aussi est venu ici, le pape Jean-Paul II. Le 18 mai 1985, Saint Jean-Paul II a célébré ici à Malines son anniversaire. Et ce moment particulièrement fort était magnifique. Il a pris
pria maman pour venir s'incliner devant le tombeau du cardinal Mercier. Et à la sortie de la cathédrale, eh bien, le carillon de la ville a joué Happy Birthday to You. C'est un moment particulièrement impressionnant qui était vécu par le pape Jean-Paul II en 1985. Cette cathédrale de Malines a donc reçu la visite, a vécu ce grand moment. La ville de Malines dans laquelle nous nous trouvons comprend une communauté chaldéenne, chrétien chaldéen, importante, ainsi que plusieurs mosquées. Et c'est pour cela que le dialogue œcuménique et le dialogue interreligieux y est tellement important. Il y a une belle plateforme de dialogue qui existe dans cette ville. Et nous aimons à le signaler. Finit maintenant cette procession d'offrandes et la liturgie va se poursuivre par la préparation des dons, offrande du pain, offrande du vin, pour ensuite arriver à la prière eucharistique, le canon, la prière eucharistique numéro 3, qui sera priée par le cardinal de Kesel et les évêques et prêtres concélébrants. Procession des offrandes des oblats vient du fond de la cathédrale, portée par les acolytes, les enfants.
C'est l'hymne des chérubins qui vient d'être chanté par la chorale de la communauté Sant'Egidio. Cet hymne des chérubins qui est évidemment aussi un chant de la liturgie byzantine et qui nous permet de nous associer à l'offrande présidée par le cardinal de Kesel. Les évêques de Belgique, l'évêque de Bréda, tous les évêques de Belgique sont là, à l'exception peut-être de Monseigneur Van Cottem, l'évêque de Namur, mais l'évêque de Bruges, d'Anvers, de Gand, l'évêque de Hassel, de Tournai. Alors que l'ensemble de l'Assemblée est encensé pour exprimer la communion entre l'Assemblée, les prêtres, les évêques et les diacres, pour ne former qu'un seul corps, appelé à la sainteté. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accepte ces offrandes que nous te présentons pour ton serviteur Léon. Tu l'as revêtu du sacerdoce. Invite-le maintenant dans ta communauté de saints, dans le royaume des cieux, par le Christ notre Seigneur. Amen. De Heer zij met u. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Heilige Vader, machtige en eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal, door Christus onze Heer. Want Hij die uit de dood is opgestaan, Hij is het licht der wereld en onze enige hoop. In onze angst omdat wij moeten sterven, troost ons uw belofte dat we eens onsterfelijk zullen zijn met hem. Gij neemt het leven, God, niet van ons af. Gij maakt het nieuw. Dat geloven wij op uw woord. En als ons aardse huis, ons lichaam, afgebroken wordt, heeft Jezus al een plaats voor ons bereid in uw huis om daar voorgoed te wonen. En daarom, Heer God, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij u en zingen u toe met deze woorden. Après la préface vient le Sanctus. Saint, 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 le Seigneur.
Nous allons prier la prière eucharistique numéro 3. Heel uw schepping moet u wel prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt gij alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft gij bezig u in volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen, om van oost en west een zuivere offergave wordt aangeboden aan uw naam. Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen we u ze te heiligen door uw geest en ze lichaam en bloed te doen worden van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood en gaf het aan zijn leerlingen en zei: neem en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. En hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heere Jezus, proclamons le mystère de la foi. Wij verkondigen uw dood en wij beleiden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. En daarom gedenken wij, Heer, het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u, Heer, zie welwillend neer op het offer van uw kerk en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn Heilige Geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. C'est maintenant Monseigneur Vincenzo Paglia qui va dire la partie de la prière eucharistique. Un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, Sant'Egidio e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. C'est maintenant l'évêque de Liège qui poursuit la prière eucharistique. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Joseph, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Le chanoine Hendrik Hout de la communauté Sant'Egidio, évêque épiscopal à Anvers. Die gij uit deze wereld naar u toegeroepen hebt. Geef dat hij, die zoals uw Zoon de dood moest ondergaan, ook zoals hij zal verrijzen. Want hij zal de doden doen opstaan en ons aardse lichaam aan zijn verheerlijk lichaam gelijk doen zijn. Laat onze overleden broers en zussen
Ja, laat allen die u lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid. Dan wist gij alle tranen uit onze ogen. Wij zullen u zien, God van ons, zoals gij zijt. Voor eeuwig op u gelijkend, zullen wij eindeloos u prijzen door Christus onze Heer. In hem schenkt gij alles wat goed is aan deze wereld. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord. Viens maintenant la prière du Notre Père. Met vertrouwen bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Ja, verlos ons, Heer, van alle kwaad en geef vrede in onze dagen. Dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede van de Heer zij. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Zusters en broeders, wenst mekaar de vrede. Frères et sœurs, donnez-vous la paix. Bien sûr, une paix large va être échangée entre les concélébrants, entre les évêques, dans les membres de la famille, au sein de la communauté Sant'Egidio. Là aussi, les personnes se mélangent un peu plus. Et aussi, bien sûr, nous vous souhaitons de pouvoir partager, recevoir un peu de cette paix qui vient de Malines. La paix du dialogue, la paix de l'interconvictionnel, de l'interreligieux, la paix qui va jusqu'aux périphéries pour que personne ne se sente exclu du festin de l'agneau, pour que chacun et chacune se sente respecté, reconnu, que toutes les solitudes puissent être rejointes. Et nous pensons en particulier aux personnes seules, aux personnes malades qui suivent avec nous cette célébration. Ik zal toch een klein woordje in het Nederlands zeggen, dat de vrede ook bij u thuis mag komen gedurende deze viering. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Les évêques concélébrants reçoivent l'Eucharistie des mains du cardinal archevêque
Joseph de Kézel. Dans quelques instants, nous entendrons cette belle phrase « Heureux les invités au repas du Seigneur, au festin de l'agneau. » Précisément cette phrase que nous avons entendue dans la première lecture. Durant la communion, il y aura un morceau d'orgue et la chorale va chanter les béatitudes.
C'était donc le chant des béatitudes que nous venons d'entendre. Rappelons que Monseigneur Lemens a exercé différentes fonctions, vicaire de paroisse, professeur de grand séminaire à Hasselt, responsable pour la pastorale des vocations, vicaire épiscopal pour la formation permanente, pour les médias et la culture. Il a été aussi président du grand séminaire de Hasselt. Il a été vicaire général à Hasselt. Il a été recteur du collège roumain à Rome. Il a été rapporteur auprès de la Congrégation des Églises orientales et responsable de la section formation et études de la Congrégation des Églises orientales. Il avait été nommé évêque par le pape Benoît XVI le 22 février 2011, en même temps que les deux autres évêques auxiliaires, Mgr Hutzin pour le vicariat du Brabant wallon et Mgr Cockerels pour le vicariat de Bruxelles. Mgr Lemens était référendaire, comme on dit, pour la pastorale des prisons, missio promigrantibus, la pastorale des gens du voyage et des forains, les relations avec la communauté musulmane. Le cardinal de Kesel va maintenant prononcer la prière de conclusion.
Laat ons bidden. Almachtige en barmhartige God. Père Tout-Puissant et Dieu de miséricorde, nous avons participé à ce sacrifice. Die op aarde de belangen van zijn Heer behartigd heeft. Accueille, Seigneur, ton serviteur Léon, qui a consacré toute sa vie à la vie avec toi et qui a été uni au sacrifice du Christ lui-même, qu'il puisse maintenant entrer dans la vie du royaume. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Un mot de conclusion va être adressé par Tom Lemmens de la famille de Monseigneur Lemmens. Broeders en zusters. Frères et sœurs. De familie wenst zeer speciaal te bedanken. La famille souhaite remercier. De dokters. Les médecins. De verpleegsters. Les infirmières. De verplegers. L'infirmière, les infirmiers. En allen die Léon omringd hebben met de beste entouré Léon. Des meilleurs soins possibles à l'hôpital universitaire de Leuven, Gasthuisberg. De Sint-Egidius-gemeenschap, waarmee Léon zich zeer. Nous remercions aussi la communauté Saint-Egidio avec laquelle il se sentait si uni. Tijdens zijn ziekte. Il a tellement accompagné durant sa maladie. Allen die rond hem gestaan hebben en hem bemoedigd hebben tijdens zijn ziekte. Tous ceux qui l'ont entouré et encouragé. Allen die zich ingezet hebben voor de organisatie van deze uitvaartdienst. Tous ceux qui ont contribué à la préparation de ces funérailles. Ik ga ze niet opnoemen, want ik ben bang er te vergeten. Het zijn er zoveel. U allen hier aanwezig. Je vous remercie tous voor uw aanwezigheid. Voor votre présence. Die getuigt van uw liefde voor Léon. Qui témoigne de votre affection pour Léon. En van uw medeleven met zijn dierbaren. Ten slotte, mijn zeer speciale dank voor allen die gevolg gegeven hebben aan de dikwijls herhaalde vraag van Léon om te bidden voor zijn genezing. Merci aussi à tous ceux qui ont prié pour sa guérison, weten nu comme le demandait dat Léon. De genezing van Léon in zijn volle omvang geschied is door de dood heen. La plénitude de la guérison de Léon, wij geloven, elle nous advient par dat Léon son entrée dans la vie. Hier nog met ons bezig en begaan is. Léon est toujours vivant, want ici au milieu de nous. Waarom zou hij, nu hij lid is van de overwinnende kerk in de hemel, maintenant qu'il participe à la vie de l'Église victorieuse dans le ciel, en broeders van de nog strijdende kerk hier in deze wereld. Il ne peut pas abandonner les chrétiens qui sont toujours ici, heel dans le monde, dans l'Église militante. Van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Il participe déjà aux cieux nouveaux et à la terre nouvelle. Ik richt mij nu dan ook tot Léon. Je m'adresse maintenant à Léon. Léon. Tijdens je ziekte heb je ons herhaaldelijk en met grote verwachting. Tu nous as répété. Over een groot feest. Tu nous as parlé d'une grande fête. In het najaar zou het organiseren. Une grande fête que tu aurais voulu organiser en automne. Je keek er echt naar uit. Tu espérais vraiment cette fête. Wij houden je aan die belofte van dat feest. Nous n'oublierons pas ce que tu voulais faire cette fête. Maar in Alcelo. Mais cette fête, tu la vivras au ciel. Want die grote stroom van Gods heilige geest. Ce courant d'Esprit Saint. Die zee van water waarop jij cet amour de Dieu. Lopen, omdat je vast geloofde
cette mer sur laquelle tu oses marcher. Ces eaux sur lesquelles tu oses marcher, tu ne pourras jamais t'y noyer. Ook wij willen daarop lopen. Nous aussi, nous voulons franchir les eaux. En zo à partir de la même foi. De gepaste tijd de overkant bereiken. Et arriver à l'autre rive sur laquelle tu nous invites à passer. Kijken uit naar ons lijfelijke weerzien. Nous espérons te revoir. Feest in de hemel. Nous espérons cette fête un jour dans le ciel. C'était donc le frère de Monseigneur Léon Lemens qui s'exprimait en s'adressant directement à son frère. Éminentie. C'est maintenant Hilde Kiboom de la communauté de Saint-Égidio, vice-présidente de Saint-Égidio. Afscheid nemen is altijd moeilijk. En eigenlijk zijn we nooit echt op voorbereid. Nous ne sommes jamais vraiment préparés à dire adieu. Afscheid van een bijzonder mens is zo mogelijk nog moeilijker. Encore plus difficile quand il s'agit d'une personne exceptionnelle. Encore plus difficile quand il faut le faire, quand cette personne part trop tôt. Waarover de psalmist spreekt. De ontelbare gebeden voor de genezing van Léon. De steunbetuigingen via bezoeken les prières pour la guérison lijken bij de nederlaag die de dood toch altijd semblent aujourd'hui vaines. Bijna een beproeving voor het geloof. Même une question pour notre foi. Veel valt er te zeggen over deze man die groot geleefd heeft. On pourrait tant dire zijn de cet homme qui a om reeds in zijn prille jeugd si het geloof te hebben ontvangen van zijn geliefde ouders. Qui a reçu la foi comme waardoor enfant hij de ses parents. Op 17 jaar naar het seminarie ging. En op 23 qui est allé jaar au séminaire à 17 ans et devenu prêtre à 23 ans. Zijn doctoraatsjaren in Rome. Die ses années de doctorat à Rome. Met Sant'Egidio. La rencontre de la voor communauté Sant'Egidio. Was dat de ontmoeting met de praktijk van het evangelie. Ce fut la rencontre de la pratique de l'évangile. Met de armen van de stad, zoals de l'amitié et les pauvres de la maar ook de vriendschappen die zijn leven zouden bepalen. Mais ça allait aussi devenir les amitiés de sa vie. Met de twee jonge Belgische séminaristen, Hendrik Hoet en Jean-Pierre Delville, met André Agardi, le chanoine Hendrik Hoet et l'évêque de Liège, Jean-Pierre Delville, et les autres responsables, aujourd'hui devenus évêques. Ils étaient déjà avec lui aux études. Terug in zijn geliefde Limburg zette hij zich in voor de opbouw van de kerk op vele terreinen. En zeker voor de vorming van de priesterkandidaten. Dans le Limbourg, à son retour de Rome, il a consacré sa vie à la formation des prêtres. Voor de wereldkerk in de congregatie voor Oosterse kerken. En reisde hij vaak naar het oosten. Ensuite, il a travaillé à Rome pour la congrégation des églises orientales. Il a beaucoup voyagé en Orient. Als hulpbisschop van het aartsbisdom ging de oproep van paus Franciscus om als kerk naar buiten te treden hem ter harte. Comme avec Auxiliaire, il a vraiment vécu cet appel du pape François de cette volonté de rejoindre, cette invitation à rejoindre les périphéries, comme le souhaitait le pape François, en particulier dans cette Flandre si sécularisée. Léon Lemmens bezat een markante interesse voor al wat er gebeurde in de wereld. Il avait un intérêt, en met zijn robuuste geloof, une attention très grande pour tout ce qui se passait dans le monde. En het wezenlijke. Il recherchait l'essentiel, le plus profond. Hij leefde met de passie van een herder die niemand verloren wilde laten gaan. Il vivait avec la passion du pasteur qui ne voulait n'abandonner personne. De liturgie celebreerde hij als een koninklijke dienst. La liturgie l'a célébré avec grand respect. Ondanks zijn enorme eruditie op de meest uiteenlopende terreinen. Malgré sa grande érudition dans les terrains les plus divers, il est resté très humble. Talrijker wellicht dan iemand ooit kon vermoeden. Maar misschien is het meest beklijvende aan het leven van deze bisschop, christen en persoonlijke vriend, wel zijn omgang met zijn ziekte. Il a
vécu d'une manière nooit très particulière aan zelfbeklag of wanhoop. Sa maladie. Steeds toonde pas de hij plainte, van op zijn ziekbed interesse voor wat er in het leven van anderen en il in de wereld gebeurde. À s'intéresser à ce qui se passait dans le monde. Hij was erdoor ontroerd il était dat très al zijn ému broers en zussen beschikbaar waren gevonden voor de transplantatie waar hij zo naar uitkeek. Il espérait totdat de ziekte uiteindelijk une grève de moelle. Na het diepe ses frères et sœurs avaient tous waarin hij zich in november dit qu'ils étaient disponibles. Waren zijn laatste levensmaanden achteraf gezien één grote gave van vriendschap en liefde. Quand on regarde en arrière, on était vraiment, Léon on était vraiment toonde ons un don dat de wij maar sa vie. Overwinning op onze zwakte en serene vrede vinden in de volledige overgave aan de liefde van de Heer. Il s'en est vraiment mogen remis Léon ons allen à l'amour de Dieu. Deze zekerheid sterken en mogen hij ons allen uit de hemel puisse nous assurer dans cette confiance et cette conviction, cette certitude et cette foi à partir de sa vie nouvelle dans le ciel. Maintenant, un responsable du vicariat du Brabant flamand et Malines. Monseigneur Lemmens doorheen de voorbije jaren leren kennen als een goede herder, gedreven door een diepe verbondenheid met de Heer Jezus. Monseigneur Lemmens était zijn typerende bon berger, en enthousiasme kwamen aimable, voort uit een diep accueillant. En echt beleefd geloof. Il avait une velen foi in het vicariat vécu. Hebben hun persoonlijk leren kennen. Les responsables du vicariat l'ont tous rencontré personnellement. Ils l'ont mieux connu. Ils visitaient et ils rencontraient. Ils écoutaient tous ceux et celles qui lui étaient confiés. Toutes ces visites manifestaient une grande ouverture. Son regard était beaucoup plus large que celui uniquement de l'Église en Flandre. Il rencontrait les autres peuples, les autres populations, les autres cultures. Il avait une grande connaissance de toutes ces cultures. Une attention permanente pour les petits et pour les autres. Il a toujours voulu que notre Église aille plus loin dans cet accueil, dans cette steeds rencontre. Steeds opende hij de vicariale raad met de vraag waar wij de voorbije week het Rijk Gods een beetje hadden zien groeien. Il disait souvent au conseil épiscopal où avons-nous vu grandir le royaume des cieux cette dernière semaine. Hem ervaren als een toegankelijk man. Il était très accessible. Malgré son agenda chargé, il créer des espaces pour qu'on puisse se rencontrer. De belangrijke zorg van monseigneur Lemmens was de toekomst van de kerk in Vlaanderen. Il het was zijn diepe overtuiging dat we daarvoor zouden moeten verwijden, zoals hij dat uitdrukte. Dat il we een aantal zaken uit het verleden élargir moeten loslaten. Notre présence. Om nieuwe wegen te banen. Il fallait créer de nouveaux espaces pour la présence de l'Église en Flandre. Élargir nos projets, élargir nos espaces. Dit stond steeds centraal in zijn beleid. Hoewel hij besefte dat het verwijden een moeilijke tocht zou worden langs ongebaande wegen, bleef hij hier hoopvol over. In de il gardait toute son espérance, même si tout cela n'était pas simple. En wanneer hij wil. Die combinatie van een realistische inschatting en christelijke hoop tekende ook zijn laatste maanden. De manière réaliste, il a vécu aussi non seulement les projets d'avenir, mais aussi sa propre maladie. Il gardait l'espoir. Il se sentait porté. Porté par les hommes, par les femmes, par ses amis, par Dieu. Nous prenons maintenant congé de lui. Nous nous souviendrons de ce berger, de ce pasteur, tant aimé. Nous le confions à Dieu, notre Père de miséricorde. Monseigneur Lemmens wou dat het vicariaat een open huis zou zijn, waar iedereen welkom is. Que le vicariat soit une maison ouverte. Dans cet esprit,
willen we u allen uitnodigen. Après la zonder onderscheid. Fin des funérailles, na deze uitvaartdienst, il y aura une réception au centre pastoral diocésain, où chacun pourra venir pour une collation. Vous êtes tous cordialement invités. Commence maintenant la liturgie de la psoute, dernière étape de la célébration des funérailles de Monseigneur Lemens. Le cardinal invite à la prière. Il est entouré du vicaire général Étienne Van Miloen, du chanoine Hendrik Hout, de Monseigneur Cosens, secrétaire général de la conférence épiscopale, et du doyen Guy de Keersmaeker, le doyen de la cathédrale Saint-Rombaut dans laquelle nous célébrons cette liturgie. Tous les évêques de Belgique entourent eux aussi le cardinal et donc le cercueil de leurs confrères. On voit bien Mgr Cockerels, Mgr Hutsin, Mgr Warin, Mgr Arts, Mgr Van Looy, Mgr Delville, Mgr Bonny. Onze bidebroeder Léon is de vrede van Christus ontslapen. Notre confrère Léon est endormi dans l'appel du Christ. Nous croyons dans la vie éternelle et nous voulons maintenant le confier à la miséricorde de notre Père des cieux pour qu'il l'accompagne. Et nous vragen God. Nous demandons, Seigneur, que Léon, qui a été accueilli comme ton enfant par le baptême et qui a été si souvent nourri à la table de ton Eucharistie, puisse être appelé maintenant pour participer au repas du ciel, au festin de l'agneau, et qu'il puisse faire partie des élus qui reçoivent leur part d'héritage que Dieu promet à chacun. En dat de we eenmaal samen met onze broeder Léon Christus mogen tegemoet gaan wanneer hij zal komen. Nous prions aussi pour nous-mêmes et nous demandons que Dieu puisse nous consoler dans notre tristesse et qu'un jour ensemble nous puissions aller à la rencontre de celui qui viendra à notre rencontre dans la vie et dans la gloire. Zijn doopsel. En daarna zal ik het bewieroken, het eerbied. Want dat lichaam is verblijfplaats geweest van Gods heilige geest en bestemd voor nieuw en onvergankelijk leven. Le corps de Léon va maintenant être aspergé avec l'eau du baptême et comme le rappelait le cardinal, son corps a été et le temple de l'Esprit Saint. Et c'est ce respect que nous voulons témoigner à Monseigneur Léon Lemens. Ce sont les derniers rites de cette cérémonie de funérailles. Encensement, respect, signe de la prière qui s'élève, signe d'hommage, signe de vie nouvelle, de vie éternelle. Signe de vie, signe de respect et d'émotion, partagé par les évêques confrères et tous ceux et celles qui sont présents dans cette cathédrale. God onze Heer, gij houdt van uw mensen, Dieu notre Père, vader van zijn kinderen. Tu es un Dieu qui aime les hommes. Wij vertrouwen bischop Léon aan nous uw vader confions. Liefde. Léon, notre évêque, à ton amour paternel, il a mis en toi son espérance. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce qu'il a reçu de toi, tout ce qu'il a donné. Qu'il soit un signe durable de ton amour. Accueille-le dans la maison du Père, où il n'y aura pas de fin à l'amour et à la paix et à la joie. Affermis l'unité qui nous réunit dans ce service alors que nous cherchons nos mots
pour être les uns pour les autres un signe de consolation et de vérité. Vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen. Laat nu, Heer, uw dienaar Leon in vrede heen gaan. Seigneur, laisse ton paix, ton serviteur, Léon, aller dans la paix. On va maintenant chanter le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix dans la parole, selon ta parole. Car mes yeux ont vu du salut que tu prépares à la face des peuples. Alors que les évêques sont suivis par le cardinal de Kézel pour escorter le corps de Monseigneur de Kézel qui sera inhumé auprès de ses parents dans un cimetière près de Hasselt, nous allons nous aussi prendre congé. Prendre congé de Monseigneur Lemet. Prendre aussi congé de tous ceux qui ont accompagné et permis cette célébration. Et nous voulons remercier très sincèrement les équipes qui ont permis ce moment de célébration, de prière, de communion. Remercier les responsables de l'archevêché, responsables de la cathédrale. Moi-même, je remercie les équipes de Cateo qui ont travaillé de belle manière ici. Et même si c'est dans un moment de peine, c'est un moment de communion. À vous tous. Je souhaite une belle fin de journée. À très bientôt sur les antennes de Cateo.